Ouais. Il n'y a pas besoin de compter jusqu'à 11 quand même. Hein. Oh, il n'y a pas besoin d'attendre Akuna aussi, qui est toujours en chargement, super. On te dira combien de temps on est, tu vas nous rejoindre. Oui. Moi j'ai un chouï de retard. Bah, je t'attends dans ce cas-là, on est à 26 voilà. secondes. Mais pause. Je mets pause sur mon chargement. Je suis en pause moi. On est tous en pause, c'est parfait. Policiel. On s'attend. Si, un petit peu loin, mais on s'attend. Vous êtes où à 31. À 31 non, moi je suis à 34, donc je vais attendre un petit peu plus. On s'attend tous à 40 alors. Merci à Kuna, on perd les 40 secondes de game qui sont super intéressants. Ouais, mais du coup, Mitty va pouvoir exaucer Kilder en mettant la minimap plus grosse. C'est déjà voilà. fait. Allez. Ah, c'est pas fait voilà. sur le vrai. Ah, je viens de comprendre. C'est parce que tu le. La... Quand tu mets plus grand la mini carte, ça garde pas le paramétrage sur l'autre partie. C'est vachement intelligent. Merci Relic encore. Ah oui, effectivement. Le leak. Que je resume également. Donc on doit faire pause à quel truc 40 à 40. Pour représenter les équipes en attendant. C'est vrai ça. Bah, je t'en prie. Donc on est sur la même map. Avec Adrien The Grand Inquisitor en Brit. Et Gros Matou de Perfide en russe. J'ai ça pour la Pancho pour l'axe. Donc on a Gagzul en Nokia W et on a Vado qui joue la Wehrmacht. Et d'ailleurs Gagzul a déjà choisi son commandant Yak Tiger. Hein, bien sûr, il a vu à la game précédente que ça faisait bobo sur la game. Adrien The Inquisitor a aussi choisi son commandant. Ouais, Adrien aussi, ouais. Qui est celui du crocodile. Parce qu'il a vu sur la game précédente que le nom de Matresse, ça faisait bobo. Bobo. Donc il a pas pris la même chose. Bah en soi, il a pris un nom de Matresse, mais mobile. Après, contre Yak Tiger, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais il sait pas qu'il y a Yak Tiger en face. Après, ouais, bon, il y a arme spéciale. Hein. Déjà, rien que les boys. Et plus l'artillerie est sympa. Ouais, et les boys sont super utiles parce qu'ils te donnent sur la mini-carte l'emplacement des blindés de la map, donc enfin dans un certain rayon. Donc, surtout les escortes. Donc la petite avantage à Gros Matou qui a déjà capé un point. C'est joli. Et T1 te construit pour Gros Matou. Ah, c'est bon, t'es parti toi là. Hein? Non, il compte. Ah bah, moi, je suis à les commentaires. Jeu, on s'attend à 40 secondes. Hein. Ouais, oui. Je tiens à 30. Ah! Ah! T'es à 41, toi? Tu as 39. J'attends le départ du grand gourou. Tu veux pas nous attendre à 69? J'allais le dire! Tu dis quand c'est bon? Alors je vais faire 3, 2, 1, 0 et on va pas mettre le play, ok? Attends, j'ai un. 3, 2, 1, 0, 40, 41, 42. 43, 44, c'est bon pour moi. 45, c'est bon. 46, 47. Ouh, le fait du jeu, c'est bon. Adrien The Inquisitor qui fait un petit smiley. Parce qu'il y avait Vado ou je sais pas quoi. Ouais, qui a chambré encore quoi. Ouais, ça nargue dès le début. Super, belle ambiance. Sans une tension. L'irrespect comme ça sur Coach France m'énerve. Ouais. C'est vrai ça. C'est comme Zinj quoi. Vado qui a déjà 3 troupes. Waouh! La même départ que la partie d'avant, mais inversé. Les alliés toujours sur l'essence de gauche et l'axe sur la droite. Ah oui, ils se retrouvent dans les mêmes positions. Ils ont fait en haut, axe en bas. Départ classique pour cette carte, c'est les positions les plus rapides par rapport aux bases. L'infanterie attaque en force. Vérifiez les viseurs. Cible sécurisée. Vous avez une ligne défensive. Dégage. Ouais. Grenadier en place. Bah oui, mais là, après une heure de game. La prise du Kirby à gauche est un peu plus compliquée que à droite. Ah. On laisse parler une voix féminine pour adoucir. Et oui. Et bien, on est à l'égalité pour les étoiles. Voilà, c'est on a pris les étoiles. Si, il y avait. D'ailleurs, si tu veux un contrat, Auré, on parlera après la game. Je suis agent.
Agent de ma femme. J'ai pas le droit de te vendre comme ça. C'est un peu mal ça. Ça. Puis parlons un peu de la game aussi parce que. Oui, autant prendre. Voilà, c'est mieux. Ouais. Que d'enthousiasme. C'est comme donc sur la même partie que précédemment. Ah, là, ça décarte sur la droite, ils sont plus reliés vidéo. Sur l'essence. Oh, c'est beau ça. Bien vu, Luciol. Par contre, l'axe, il ne faut pas caper le point du milieu. C'est qu'ils sont pas du tout reliés. Et il est en train de le faire. Ils étaient capés si tu suivais. Ben oui. Ah, d'accord. Luciol vient de dire qu'ils ont été décapés. Ok. Voilà. C'est pas leur Tayoli là ? Oh là là. Oh là 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 là. Et c'est ceux qui prend cher ce soir. Ouais. J'ai l'habitude. Sur Dakuna. On en a plus le droit. Oh là là là. À cette heure-ci là, c'est Peggy. C'est Peggy 25 là. Ouais. Là c'est. Ah bah du coup, je peux pas regarder puisque j'ai 12 ans. Je sais même pas comment. Ah, on comprend mieux pourquoi tu veux. Tu cherches des filles de 12 ans là. En plus, t'as avoué ça c'est en post-trip. Ouais, je cherche pas de fille de 12 ans. Non, c'est vrai, 13 ans t'as dit. Ouais. Tu vois, il y en a un qui suit au moins. Ouais, Kakuna, on va se retrouver tous avec les flics. Du coup, pour demain matin. GIGN, bonjour. Merci, Kakuna. Bonjour. L'axe est quand même vachement présent sur la map, là, pour le coup. Ouais, mais les alliés, ils ont les deux carbus, là. Enfin, ils sont en train d'éclater celui de droite. Hein. C'est vrai, bonne analyse. Merci, mon cher Thierry. Ça se voit que je me suis resservi une bière ou pas ? Ok. Et donc, au milieu, les génies, ça y est, sont vite. Le russe a fait un T1. Bah, ouais, les génies qui ont succombé au Schtroumpf. Pas de sniper contre Anoka. Ouais. Vénère. Vado a pris son commandant. D'ailleurs tout le monde a pris ses commandants. 4 minutes de jeu. Kuna qui passe un petit message personnel, je pense. Vado qui a pris le commandant que moi j'aurais pris personnellement sur. Sur la game d'avant, justement, je serais plus parti sur ça que moi. Parce que Vénère aime pas Jacques Brel, donc il fallait que je le change. Alors là, gros matou, t'as choisi ce commandant. Mais je te déshérite. C'est le chapeau qui a été à part. C'est vrai que c'est un commandant particulier. C'est tout pour avoir la DH, peut-être ? La DH, tu sais que c'est un nom de journal en Belgique, donc si tu peux être précis et dire DSHK. DSHK, parce que pour 120. Avoir la DH, on n'a pas besoin de commandant. Hein. Puis après, il a des petites mines. Hein. Petites 1€, mines 1€ 20 dans, chez votre marchand de journaux. Enfin, quitte à avoir la douceur, moi je peux le cartable. Avoir... Ah, il a pas vu. Ah, il a pas vu le cartable. Il va avoir un souci, j'insiste, hein, mais il va avoir un souci d'essence hein, sur ce début de partie des axes là. Ouais, c'est compliqué. Ou alors dans un night and day. Alors autant ils ont plus d'étoiles, mais. Ah, il y a un sniper pour le bruit. Ouais. Sniper. Ou au Carrefour, au Deleuze, au Intermarché. Du coup, le véhicule casse. Tu peux arrêter de faire tes pubs. Il y a une douche qui fait le champ ou chez Leclerc. Avec la douche il avance bien depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais la douche c'est. Ça donne la vue à la douche en plus. Ça découpe, hein. Ça découpe la douche hein. Ah ouais, on va pouvoir se positionner et faire replier toutes les autres troupes. Voilà, non, ils cherchent même pas à rester. Ils se replient tout de suite. Donc là, ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal de territoire. Minère. Ouais, ouais. Je sais pas qui va à la recherche du snipe, je pense. Et qui tire, bim. Il va tenter de le planquer derrière la maison. C'est bien joué, est-ce que le repli aurait été fatal, je pense. Ouais. Et il le met dans la maison. Il met un petit fumigène d'ailleurs pour éviter que le sniper tire. Oh là 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 là, le 2-2-2. Parce que le sniper en brique fait des dégâts contre les véhicules. C'est bien joué ça, il y a l'AEC derrière. Qui arrive. Ouais. Il va pas suivre pour éviter Panzer Post. Ah si, il a réussi à le mettre, hein, Panzer Post. Qui connaît la cavalerie de Fatback? Je connais pas. Je connais plus. Merci à Kuna encore cette précision. Ah, t'es vraiment indispensable toi dans un stream. Hein. C'est vrai? Merci. Indispensable. Oh,
Je viens de comprendre. Putain. Et Grand Matou a les mini, l'étoile, le cardou. Il est bien posé. Il a même l'étoile lumière. Et puis ouais. Il couche. Bien là. VH, c'est le taf, hein. Ah non, mais c'est très puissant en début de game. Et puis le corps à corps avec les jambes, ouais. C'est... Ouais, c'est pas la meilleure idée, ouais, mais ils vont pas mourir, donc c'est bon. Oh là là, la MG. DH, la MG de Vado. Elle va avoir la visu pour tirer. Non. J'ai du mal à partir du terrain, de la zone du moins. Les forces ennemies neutralisent un secteur. Ils ont été très offensifs les alliés là. Ouais ouais, ils sont bien poussés là. Ouais. Comme dit Lucio, le carbu c'était à eux pendant. Enfin les deux carbu c'était à eux pendant pas mal de temps. Il en a mais bon Matou il a une réserve de carbu quand même. Ah il perd son mortier. Vado. Perdu ouais. Du coup le brick il rentre bien aussi, le russe aussi. Ça va être compliqué là. Sniper déjà une étoile. Oui, victime. Gagzul récupère sur la droite. Hein. Ouais. Mortier récupéré, mais à la place du coup d'une troupe de grenadiers. Ah ouais, donc ça c'est pas le bon plan ça. Mais moi après des fois dans la précipitation. Parce qu'il a été, je crois qu'il a dû cliquer avant de, ils étaient 4 quand il a cliqué et puis il en a perdu entre temps. Le Panzer grenadier arrive du côté. Ah il a le chon qui va être perdu je pense là. S'il le vise. En bateau qui revient. Ouais. Ouais. Je tourne mort. En bateau qui revient avec la DSHK. Ouais, c'est vrai que ça permet vraiment de faire la différence au début parce qu'avec un T1 russe. Ah, ça va en fait. Il n'y a pas besoin de deux points de commandement comme avec l'autre commandement. Si, c'est deux. C'est tout, ça se dérouille. C'est tout, deux. Tout à deux, d'accord. Ouais. C'est tout à 2-0. Chez Auchan, chez Carrefour, chez Deleuze. En fait, il n'y a qu'en Belgique, hein. Ah, bon Matou, il a payé son T3. Ouais, on connaît pas non plus. L'essence de droite n'aura pas été axe bien longtemps. Donc, il y a une MG qui a été sortie, une MG dans la maison pour protéger. C'est pas trop mal. Je préfère le commandant de SHK avec Easy 8. Ouais, moi aussi avec le Easy 8. C'est bien joué là, il est. L'arme de carbu. Les troupes étaient dans le feu de la MG, du coup, il les a mis dans le camion pour. Ah ouais, joli. Ouais, mais il a pris une grenade à fusil derrière, donc en soi. Ouais, il y a des SHK pour. Ouais, pour l'anglais se fait un peu pousser quand même. Et du coup, il a sorti des boys. Il a sorti des boys. T3 de la paire de Grand Matou. Des alliés cap pour 3ème échelon. Et l'essence encore par la même occasion. C'est vrai que niveau carbu, ils ont largement le dessus. Ouais. Bah, ils ont quasiment les deux carbu depuis le début, donc. Il est large quand même l'anglais. Hein. Un transporteur Captain, un sapeur, un snipe. On a assez. Ouais, il pas mal d'infanterie. Hein. De quoi tenir. Il est bien, là. Ouais. Joli. Le snipe des victimes pour 10 minutes. C'est la tape. En soi, Grand Matou il est pas trop mal hein. Avec sa touche-ca, il bloque tout hein. Il bloque le carbu, l'étoile, tout, ils peuvent rien faire. Les pouces du coup. Hein. Ouais. Adrien et Grand Matou, on se sent quand même beaucoup plus à l'aise en tant qu'allié que. En début de game, ils sont très très. Ils sont vachement avancés. Ils sont très bien. Ils ont tous les carbus. Par contre, faudra faire gaffe au. Peut-être un looch rapidement ou. Ah non, il a payé le thé, il a payé le soin. Il a fait le soin, d'accord, du coup. Payé soin. Bah, il peut faire le half-track pom-pom. Half-track. Ouais, mais tu sais, le gars il te voit arriver avec la DSHK. Il met les balles perfo, qui passe, hein. Il y a le half-track de ravitaillement sorti par le Brit. Pour dropper des petites armes, je présume. Ouais. Et des grosses aussi. Un point de capture est envahi. Ils arrivent par la droite. Super l'emploi de gros mots. C'est quoi ça? Il y a une cache qui est en train de juste sous les nains qui étaient perdus à gauche. Ouais.
Il n'en a plus. Là, c'est qu'il a quand même pour. Ouf. Il y a une section de Tomis qui a été tuée par une grenade de Panzer Grenadier. Ouais. Faut faire gaffe, hein, parce que ça peut. La dashka. La douchka. Ah ouais, les Allemands ils arrivent pas à prendre le carburant. Ouais, ils sont complètement bloqués. Vraiment pas. Hein. Ah, premier T-34, donc là ça va commencer à être compliqué parce qu'ils ont pas vraiment d'anti-char à part un pack. Sauf qu'il est à l'autre bout de la map. Ah non, il est au middle, mais ouais. T-34 là, il va nettoyer. Hein. Ça c'est bien. Il a pas de Raketen aussi. Hein. Non, il a pas de Raketen. Il a payé l'IG, il a payé l'MG, mais il a pas de Raketen. Ah, un construction justement. Il a ouais. Vu T-34. Mais ouais, bon après là il le joue pas très offensif, mais il fait un peu de dommage quand même. En plus il y a toujours son aftrack M3A1 là. Ah, cartable sur le. Sur le mortier. Ouais, il va réussir à l'envoyer. Ouais, hop là. Et il va. Je pense qu'il va crever. Ça. Ouais. Ouais. C'est... Il va pas survivre à cet assaut. Ah là c'est bien joué hein. Il a préféré prendre le Panzerfaust mais il a pas de quoi le finir du coup là il pourra pouvoir partir tranquille. Ah il pourra avoir les balles perfo mais ouais il les a pas mises. La Pado, MG, n'a pas oui, mis les balles perfo ouais. Ah, exactement. Ouais ouais il a pas mis pas les balles perfo. Ça finir. Ah si ça l'a fini là. Ah si largement. C'est vraiment dommage ouais. Elle est passée en plein dedans. Ah si si vu la vie qu'elle avait c'était fini hein. Pourquoi elle ouais. Pourquoi c'est une conductrice toujours au volant? Parce que c'est une auto blindée. C'est auto blindée. C'est un véhicule. Mais c'est vrai qu'elle a quand même plus de mandat. Ouais, mais. Stop, tu dis une AEC ou un AEC? Oh, son... il fait son relou là. On peut pas l'arrêter dans sa course. Ah, le Brit a droppé des piates. Ah. Ouais, le T-34 fait du dommage à droite. Oula. Par contre là, il a intérêt à se replier à côté. Ouais. Oula, le bac là. Le repli va être dangereux là. Snipe le snipe, ouais. Bon. Il y a... Non, heureusement il est en déplacement, il a... Il s'est passé tir d'IG magnifique sur côté là qui a bien failli coûter une section aux alliés. Ah, il y a une déto qui a été mise sur le carbu. De droite. Qu'est-ce qu'on fait les Panzer Grenadiens? Ouais. Ouais, depuis tout à l'heure il est plus tenir. Ils ont un peu l'avantage côté gauche, mais pas le territoire encore. Ouais, mais côté gauche, il y a le T-34 qui arrive là, donc il faut. Toujours pas le carré. Il faut. Ah, il bouge le pack. Ouais, il faut qu'il recule. Heureusement, le pack est tiré dans le sol. Dans le cartable, non. Oh, là, sinon, il y a la MG derrière. Il y a la MG derrière, mais ça va faire bouger le pack. Ah, il a mis les bains incendiaires. Ah, oui. Ça va faire mal. Il y a quasiment rien sur le carbu de gauche. Ouais, du coup, il a pas d'unité pour recaper. C'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage parce que celui-ci semble plus facile à prendre tout de même. Il y a un Raketen qui avance en fufu au middle. Est-ce qu'il espère finir le T-34? On va voir ça tout de suite. Mais il y a le véhicule de Orco qui arrive. Et ouais, dommage. Ça aurait pu passer. Ouais. C'était une bonne idée. C'est une bonne idée, mais ouais, il va pas avoir le. Du Cromwell. Un Cromwell. Ouais. Sortie. La douche-ka qui fait son petit bonhomme de chemin. Elle fait vraiment mal, elle, depuis tout à l'heure. Ah, bah alors, deux coups, elle couche. Puis après, 3-4 coups, t'es en rouge, donc bah, tu fais plus rien. Bon. Raketen middle qui cap. Tente de reprendre le cœur du sur la droite. Par le baquet, sinon il va le perdre. La déto de droite a tué des mecs, mais ça n'a pas wipe de section, dommage. Ouais, ça vient au milieu en tout cas pour essayer peut-être de finir le point de mission qui n'était pas fini construit. Oh là, aussi. On arrive dans le dos. Okay. On va faire gaffe à la MG qui se copie tout de suite. Oh là, Wehrmacht, le T3 est en construction. Oh, le cartable en plein milieu. Oh là là. Ah, ça a été replié. Ils étaient repliés. Attends, ça va. Ouais, la grenade par contre. Ouf, oui. Bah, si on est plus wipe, non. Si on est sorti. Avec le bâton disciplinaire au milieu. Non, mais ça en est sorti. V3 déjà. Ah, c'est vrai que par rapport à
si on compare par rapport à Compagnie Firozin, c'est vrai que les soldats ont du, des rangs de vétérans assez facilement. Le snipe qui est toujours en vie. Il y a un Katusha qui est sorti. 12 kills seulement. Il y a aussi une nouvelle démo côté droit pour éviter le. Ouais, qui va peut-être payer d'ailleurs. Ah, avancent, sauf si l'IG la tue. Ah. S'ils avancent dessus. Ouais, ouais, ça peut, ça peut, ça peut. Avec le cromwell, il va essayer de les attirer. Non, non, ça passe pas. En même temps, il n'a pas tellement de raison de pousser. Oh, je sais pas, hein. Il... on sait jamais. Où est-ce qu'on doit aller? Nos troupes sont prêtes à se retrancher derrière le soutien aérien. Nous perdons un secteur. Le score t'es pile poulet à égalité, 345 à 345. T'es 34 qui est réparé. Ah, moi j'ai 344. Bah oui, parce que t'as regardé une minute à pomme, quoi. Maintenant 343. Tiens, t'en es où? 342. Super commentaire, une belle passionnante. Ça, ah bah ceux qui font de l'insomnie, c'est impeccable, hein. Je vais te compter les moutons, hein, quand il est plein. On a compté, y'a con, hein. Ça correspond à un coup de... Quelle violence. Super. Nous on fait l'ambiance et puis voilà. Ouais, ouais, c'est super. Ouais. Non mais si vous voulez qu'on parte, on part, hein. Non, juste... Oh, le M3 qui fait une... Ouais, misclick. Misclick, oui. Ah, c'est gros matou, ouais, c'est vrai. Par contre, la clown car, là, ça va pas s'en sortir. Là. Tu vois, tu l'appelles comme ça et tout. Ça s'appelle ouais. comme ça. Non, c'est par les milieux autorisés. M3. Hey, mais donc, Shtug vient d'arriver pour Vado. Le petit fumigène bien placé. Ah, il arrive au bon moment. Ouais, ça sauve la. Ah non, elle est en A4 là. Ouais, je l'avais pas vu. Je suis pas la gueule. Tu m'excuseras. Il a réussi là. Elle est sortie paralysant avec le snipe. Non. Oui, non. Le Shtug qui tire deux fois à côté. Ouais. Il avait pas seulement 70% de vie, du coup il a pas eu le moteur annulé. Les alliés qui reprennent le middle. Il y a Vado qui a sorti un tigre. Encore repris. Non, j'ai dit une connerie. Ah non, oui, il a débloqué le tigre. Quand même, je me disais. Ouais, par contre, c'est vrai qu'ils ont pas de carbu depuis le début de la game. Par contre, à droite, il y a deux Raketen qui s'approchent dangereusement du tank. Il perd le Shtug. S'il l'a vu, non, il a bien décidé, hein. Il a pas reculé, il a justement avancé pour contourner. 34 et face à deux Raketen. Ouais, coup. Ouais, ça peut faire. Ouais, ben c'est mille. Vado qui a perdu son Shtug, lui, par contre. Avance, ouais, ouais. Avance de quelques secondes, quoi. Ah. Et donc nous sommes à la fin de la partie. Le cartable est mis, je sais pas s'il l'a vu. Attends. Ouais, si, si. Le T34 très rentable. Hein. Ah, et puis en face, ils ont vraiment pas de carbu, quoi. Ouais, ah ouais, ils ont pas de carbu, puis l'anti-char était quand même peut-être. Et Vado qui a perdu son truc très vite. Côté, heureusement pour lui. Ah, ça c'est une perte déplorable vu le peu de carbu qu'ils ont déjà. Ouais. Du coup, le Cromwell et le T34 sont un peu seuls. Il y a de la T quand même chez Gatsu. Il y a deux Raketen, mais le problème c'est qu'ils sont tout le temps en fufu, donc ils sont très lents. Et puis ils se font choper. Pour le coup, là, ils ont pratiquement pris tout le territoire. Ils ont les deux essences, les trois étoiles. Ouais, ça paraît compliqué de retourner à la game. Ouais, ils sont dans leur base. Ils ont fait un très bon démarrage. Il y aurait eu très offensif. Puis la solution des caches de carbu ici, c'est même pas la peine d'y penser, hein. La carte est déjà bien petite. Et puis la Malpo... C'est pas la taille qui compte. Hein. C'est vrai, Akuna. Merci. Pas pour Akuna. si tu veux une place, t'en fais une. Hein. Pour mettre une carte. Il y a Xul qui va tenter de percer bien sûr. À droite. Mais c'est pas sûr que ça passe. Hein. Il y a la Douchka, deux étoiles. Plus une MG volée à l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Il a pas tiré encore? Si, il a tiré une fois. Bon, ouais. Ok, la Douchka va être. Il est belge. Appuyé. Ouais, c'est un Katusha belge, il a fait 0 victime. Ou alors, Gromatou a lancé. Auto-flagellation.
Nos MG42 sont arrivés. Oula, je vais m'abstenir de faire des commentaires parce que je ne sais même plus où je suis. T'as combien de points? Gaxul paye le T3, donc il va sûrement vouloir sortir un Koenig. On est à 22-40. Ah, quand même. C'est combien? Non, je sais pas si je m'en prends un petit décalage. Pourtant, je pars en même temps. 22-50. C'est bon? Tu t'es réaligné? Les montres ont été synchronisées. Je me suis dit que ma bière valait mieux. Katusha. Ah, touché qui tire. Sotiro. Tu veux le mortier? Dans le mortier, ouais. Nous avons des, il est un peu loin. On va avoir un peu de chance là pour que ça tombe dessus. Peut-être sur le repli. En tout cas, niveau pop, on voit bien la fusil. La des alliés. Ils sont à 70 pour les Belges qui nous écoutent. Entre 40 pour les Allemands. Après, les chars prennent beaucoup de pop, hein, donc. Mais ouais, effectivement. Sacré avantage pour les alliés. Ah, c'est clairement petit. Enfin, je vois pas comment il peut retourner. Retourner d'efforts. Nous n'avons plus que 200 points. Ça paraît en effet compliqué. Les raquettes en fufu qui vont capturer l'étoile devant l'MG. Il y a plus de 100 points d'effort déjà. Ouais, puis il y a un T34 avec. L'écart qui compte. 32 kills quoi. Ni la longueur, ni l'écart. Ouais. Ah non, 31 kills. Exactement. Comme à la guerre, c'est un peu qui compte. Un peu de place, ça doit manquer d'amour parce que ça se fait bien écraser. Justement, c'est celui qui a moins d'amour qui gagne la guerre. Ok. Je pense qu'on devrait écrire. Un Gexul qui récupère à droite. Ouais, tu devrais écrire un petit livre. Ouais, va écrire à Kunava. Ah, un mémoire même. C'est un T34 qui va se confronter au Raketen. De Raketen, bon, il tourne pas. Allez, tourne-les, tourne. Des mineurs. Les deuxième cartouche payée. Il est vachement bien. Allez, ça tire. Allez. Le nouveau canon anti-char est arrivé. Ouais. Ah, il y a un SU, deux cartouches, un T34. Ah ouais, là c'est. Un fort de la T niveau Wehrmacht, mais. Ouais, ouais. Après, Gexu, il aurait de quoi sortir au moins un Jack Panzer. Bah ouais, mais je pense qu'il attend le Koenig ou un truc du genre, mais. Ça va être trop long à arriver. Ouais, ça va être trop long, il gagne 13 de carbu par minute. Ça, ouais, il vient de faire T4. Le score descend très vite, hein. Le temps est compté quoi. Ah. Et le Brit, franchement, il est super bien. Ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure, il recule pas du tout. Quoi. Ouais, il perd pas grand chose, il garde bien tout. Sniper 3 voilà. Étoiles d'ailleurs. Un Comet qui est payé. Et Comet qui arrive sur le Rakuna. Sniper 3 étoiles, 23 kills, 25 minutes. Il manque 2 kills. Il manque de kills. J'ai froid. Ouais, il a pris avec quelqu'un. 17 kills Douchka quand même aussi. Une minute, un kill. T'es 34 bien avancé sur la droite. Hein. En position sur la droite. C'est beau. Le carbu qui est repris encore par les alliés. Ah, c'est vrai qu'il verrouille les territoires quand même. Ouais, c'est ils sont bien installés. Hein. Ouais. Ils se sentent comme à la maison. Bah déjà le T34 y'a rien pour le contest quoi. Ouais c'est le problème quoi. Ouais, ça, c'est... Le Brit se charge de faire pas mal de petites tranchées par-ci par-là. Ça avance doucement mais sûrement, mais les tous se resserrent. Hein. Ah, le Katusha sur les Raketen, attention. Sur la petite maison aussi. Ouais, Panzer Grenadier 3 étoiles qui sont morts. Et... Il perd la peine. Ah, la maison. Oh la maison. Ouais. Deuxième Katusha, je sais pas s'il va pouvoir tirer aussi. Et Gromatou qui me chambrait parce que j'utilisais pas assez mes munitions, mais. Gromatou, il utilise pour l'instant un truc. Ah ouais, 580, ouais, c'est. Je sais pas s'il a fait un truc avec. À part un cartable. Je crois qu'il a pas fait un truc parce qu'il a mis clic. Oh lol, ça plaît. Et c'est la fin. Ah oui. Ah, c'est les un alliés... démarrage éclair, du coup, qui a bien... Ouais, ils ont tellement poussé, du coup... La solution offensive. Exactement. Mais bon. Une grosse pression. Ils se sont défendus tout de même, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, là, sur le coup. Bah, du coup, il y a 1-1, hein, sur la... Ça fait 1-1, c'est à la fin de cette partie. Ouais. Mais du coup, il y a la troisième partie qui va se jouer. Et très niveau bien. Stats, c'est pas mal non plus. Hein. Je vais lancer ça. A bien fait la game.
T'es déjà sur les stats, Kuna? Bah tu peux les afficher. Non mais lui il a 20 minutes d'avance sur tout le monde là, il fait n'importe quoi. On peut les afficher en jeu aussi les stats, hein. T'as pas besoin de quitter. Ouais. Sur la liste des joueurs normalement. Ouais. Kromatou a fait 150 kills quand même. Et les autres sont à 70 pour les Belges qui nous écoutent. À chaque fois il va le dire quoi. Ce qui a quoi, il y a deux Belges. Ok, encore. Du coup, il y en a que deux qui comprennent quoi. T'as pas besoin de faire pipi à Kuna, ça va aller là. Bah là, ça va, c'est pas une game qui dure une heure quoi. Ah bah, avec tout le café que tu bois, il a l'air. Merci aux participants d'avoir fait une game qui dure 20 minutes. Ne le dis pas assez. Non mais ça arrive hein, surtout que la première partie a duré longtemps donc ils étaient peut-être aussi fatigués. Je crois qu'ils première partie. C'est pas joué le même jour. Voilà. Que quelle agressivité. ça se ressent ça dans le. Voilà. Voilà. Merci à vous. C'était la citation belge de fin de soirée. Encore la même map. Bah oui, mais c'est les règles du tournoi, t'as pas regardé les règles, toi. Si, si. Mais les gens comme ça qui regardent pas les règles et puis après qui. Ah, c'est fatigant. Qui se proposent. Puis qui. Hein. Bon, voilà. Merci, Akuna. C'était la citation belge de la fin. Allez, on se retrouve du coup pour la troisième partie. Allez, ciao. Ciao!